Je suis Pierre Mazzaroni, je suis membre du Cercle d'Aviron de Marseille, c'est-à-dire le club de Nathalie. Nous avons la chance d'avoir Nathalie dans notre club, qui a été, c'est la seule, qui a été médaillée aux Jeux Olympiques, elle a été championne du monde. Nathalie est un exemple à suivre de partout, inutile de la présenter parce que je sais que c'est quand même son site. C'est une fille extraordinaire, moi je l'ai vue le matin s'entraîner de bonne heure, faire des haltères, etc. pour arriver, c'est un exemple de courage et d'abnégation. Elle a entamé quelque chose, moi je pensais que c'était impossible à faire, elle est en train de le réaliser. C'est quelque chose d'extraordinaire, je ne peux rien dire plus. Nathalie Benoît, la commune de Gagny-sur-Loire est heureuse et très fière de vous accueillir sur son territoire. Alors très heureuse parce qu'on accueille une championne paralympique médaillée d'argent au JO de Londres, une championne du monde, je crois que j'ai regardé votre biographie en 2010, c'est ça? Et deux fois médaille d'argent, c'est ça. En 2009 et 2011. Donc on est très fiers, très heureux. Et puis, on est aussi ravis parce que vous nous montrez le plus beau visage du sport par votre démarche, par votre défi, le courage, le dépassement de soi. Donc, sachez qu'on est vraiment ravis de vous accueillir. Et donc, au nom de Madame le maire qui ne peut être là ce soir et du conseil municipal et toute la commune, on va vous remettre deux présents. Donc, deux petits présents modestes. Donc, la médaille de la commune. Merci beaucoup, elle est très jolie, dis donc. Et puis le livre sur la Somme bourbonnaise où vous retrouvez les différentes communes du coin, dont Gagny. Super, je vous remercie. Donc voilà. Alors,